Ouais, ça va mieux là, depuis 2-3 jours. Là, j'étais malade, là, j'ai fait une angine. Bon, on verra aujourd'hui. Hein. Après, course très difficile, là, on peut pas tricher. Là. Course très difficile avec un final qui change. Ça va changer la physionomie de la course assez tôt, vous pensez? Ouais, je pense qu'il va y avoir une course moins d'attente. Le Koberg est enlevé pour le dernier passage à 3 km de l'arrivée. Je pense que là, ça va déclencher déjà à 40-50 km et il va y avoir une course de mouvement plus importante. Et en plus, le facteur du vent aujourd'hui va avoir son importance. Pour vous, quel est le jeu aujourd'hui? Ça va être de laisser faire un peu au départ et puis d'essayer d'accompagner dans les 50-60 derniers kilomètres. Et voir ce qui se passe. Et les jambes. Aujourd'hui, il y a encore Oliver Nassen et Stijn Vandenberg qui ont fait les Flandriennes. Du coup, comment va s'articuler l'équipe? Ils vont encore être leaders ou ça va être plus ouvert? Je pense qu'avec ce qu'a montré Oliver ces derniers temps, on ne peut que lui faire confiance. Donc aujourd'hui, voilà, on va le protéger, on va faire au mieux. Et après, il faudra espérer aussi qu'il a de la chance parce que ces deux dernières courses qu'il a pu faire, il n'avait pas tout avec lui pour la réussite.